tout 10 départements. Et c'est une bagaille qui fait que président Jovenel Moïse te bataille en pile pour dossier décentralisation République Port-au-Prince. Parce que le fait diverses bagailles dans ville provinciaux pour permettre que ville provinciaux capable faire poids par rapport ensemble avec Port-au-Prince. Mais pour tout autant des départements l'ouest, ça c'est seulement Port-au-Prince qui bail plus problème. Donc depuis le que président t'es vivant, il y a toujours des problèmes d'insécurité qui t'a fait rage dans le pays. Et dossier insécurité, ça, même lui-même encore, il vient victime de lui en tant que premier citoyen dans le pays. Si là. Donc, je ne dis pas, nous voulons clair sur point ça parce que où tu es proche président en pile, si si question qui dérange que nous pas ka comprendre, premier moun nous gè pour nous poser c'est où, premier moun pour nous demander idée c'est où, parce que c'est ou même après li c'est où présenté. Donc jounen jodi a, en tant que chef CSPN ou gè tout ministère yo sous contrôle ou et ses responsabilités ou, nous ta reme konnen. Est-ce que ou pas au courant de assassinat président? Ça c'est premier volet question. Parce que même policier qui participait dans tout le président, c'est même yo encore confrère yo pour bien dire qui vient sécuriser ou après assassinat. Deuxième volet question, comment fait yon équipe étranger entrer sur yon territoire? Et puis, pour l'État, nan pire au niveau, yon pas au courant. Est-ce que dans tête pays, a pas gagné agence intelligence? Puisque, même Jean-Président victime, ou même en tant que chef CSPN, ou t'es capable victime tout. Ça pour dire, eh bien, joué, ou pas t'as passé pour nous tout. On ne sait jamais. Donc, troisième volet question, non, c'est que, comme, après assassinat, c'est ou même qui te campé, c'est ou même qui te met canson dans ta yo, maré la compte code, bon franchement m'pa konn ki kote ou te jwenn tout code sa yo. Qui te maré la en pile code, qui te prend responsabilité ou? Eh bien, ou te même arrivé di pour joindre justice pour président ou pour aller jusqu'au bout et ou prêt pour mourir. Donc nan cas sa déclaration sa qui vient faite. Donc, moi ta reme konne qui responsabilité yon premier ministre? Est-ce que c'est chaque le yon président fin assassiné nan cherche justice pour lui, laisse nous prêt pour nous mourir ou bien nous supposé prendre responsabilité nous depuis bien avant? Et pour nous fini, je ne jodi a en tant que ancien chef CSPN face à situation ça, pays d'Haïti trouvel. Nous t'a remé connait qui sort ka di nan cause ça puisque dossier insécurité a c'est tout haïtien qui concerné là-dedans. Merci beaucoup. Merci beaucoup et Foucault et son question moi t'ai probablement attendre moi avec même pas attendre que ou t'a fait tout râler ça qui pour moi-même c'est extrêmement intéressant. Et bon, ça montre que je ne suis pas là comme si un bon monde vient jouer avec. Donc, on a posé une question et ça fait un plaisir. Et quittez-moi dire mon bagage. Moi, j'étais premier ministre dans un temps qui était difficile après que Joseph Chout finit démissionner pour convenance personnelle. Moi, j'étais un premier ministre pour 30 jours. 30 jours arrivés. Yo renouvelé, après ça, m'en renouvelé encore. Et, mais, principal, et m'ta capable de dire mandat que le président de ma feuille de route, c'est pour moi, t'es accompagné pour nous joindre un premier ministre définitif, le consensus. C'était pour nous travailler sur question insécurité, hein, et c'est pour nous continuer le projet électricité, parce que l'État, c'est la continuité, donc c'était essentiellement ça. Foucault, moi-même, ça m'a capable de dire, c'est que, moun,
qui t'a assassiné, qui t'a un plan pour assassiner, et de fait qui a assassiné le président Jovenel Moïse, plan t'a précédé. Tenez bien, moi monté 14 avril, ça veut dire que plan pour assassiner le président, le premier ministre 14 avril 2021, plan pour assassiner le président le précédé. D'ailleurs, peut-être que le président est supposé soit assassiné ou bien coup d'État depuis 7 février 2021. Nous songez ça, coup d'État Tibois. Mais ça, m'te ministre des Affaires étrangères. Mais même avant coup d'État Tibois, pas oublier que tu as eu un paquet de réunions qui a fait en novembre 2020, Miami, non, bah, qui est le CTU. Et au point que, nous sommes capables de dire, nous pouvons confondre qui est le monde qui a participé là-dedans, lorsque le ça, il dit premier ministre a participé là-dedans, le ça, pas de premier ministre. Et en fait, le ça, nous, si nous songez, nous avons tourné de 2 semaines en République dominicaine, dans la période de ça. Donc, plan précédé, ça c'est le premier bagaille. Mais deuxième bagaille, moun ka fait assassinat président Jovenel Moïse, yo infiltré sécurité président. C'est-à-dire que moun ki proche président Jovenel Moïse, yo nan assassinat. M'a parlé de moun ki nan sécurité président Jovenel Moïse. Qui donc, moi-même comme premier ministre, qui vin paraître nan mitan bagaille là, c'est dernier monde qui vous ta connaît qui ça qu'a fait là, parce que c'est un plan bien préparé et pour assassiner le président Jovenel Moïse. C'est un plan bien préparé qui font paquet de temps en préparation. Donc monde qui beaucoup président Jovenel Moïse sécurité et on était capable de dire monde qui vraiment proche, nous t'en ai cité dans rapport de CPJ. Ça veut dire que c'est vrai que moi-même moi t'es chef CSPN. Mais bagala était tellement bien préparé, pas de aucune façon pour chef CSPN là, tu connais ou bien pour Claude Joseph tu connais. Parce que mon yo peut-être gagne une caractéristique que connais dans moi-même, c'est la loyauté. C'est-à-dire pas de aucune façon pour me au courant d'un bagage comme ça pour président Jovenel Moïse pas de connaître. Donc, on t'a dernier monde qui connaît et préparation était faite. Pour moi-même, on ne pas de chambre qu'on va faire comme ça. Alors que très probablement, en pile monde dans le pays, a des connaît que il pourra soit assassiné ou bien par le président Jovenel Moïse coup d'État. Alors, maintenant, oligarque, avec Rista, avec oligarque, sur le système là, qui besoin bouiller pis là, mais qui parole lui mette dehors. Chaque fois, moi-même, je demande justice pour le président Jovenel Moïse. Ça veut dire, bon, pourquoi c'est où tes chefs CSPN? C'est comme quoi que si Jovenel Moïse pat mouri jour 7 juillet, eh bien, yo t'a pral dit, monsieur, pourquoi c'est où tes président? Comment faire tout yo? Comment faire quitter tout yo, c'est président ontayé? Attendez bien, oui. Parce que c'est ça que le système n'a fait pour décrédibiliser le mouvement justice m'a demandé. Yo dit ou quoi c'est ou tes chef CSPN? Monsieur Plaide a parlé là. La demande justice, la demande justice. Pourquoi c'est le chef CSPN? Comme quoi que nèg qui était président, qui était gain bon gens sécurité dans mel, yo fin touyel, c'est voir moi-même qui chef CSPN là pour te connaître. Je sors dit à Foucault moi d'accord avec très probablement cible là t'a pas le moi-même. Mais ça nèg yo calcul que nèg yo fait, c'est que m'pas premier ministre encore. C'est ça qui fait peut-être nous sortir en vie joie tout. Moi pas premier ministre encore, c'est pas moi-même. D'ailleurs, si m'était premier ministre, c'était difficile pour détruire Jovenel Moïse parce que je t'ai dit c'est continuité Jovenel la Claudie. Et de fait c'est ça au dit le min kembe. Léo tuer Jovenel Moïse pas bien pour installer Ariel. Donc moi kembe. Moi kembe, c'est moi qui assurer intérim. D'ailleurs, c'est moi qui fait yo arrêter tout le monde, c'est sous leadership moi. C'est bien compté mal calculé pour assassin yo parce que chaque monde qui a fait un crime, li gen un bagay, li blye peut-être. Yo oublié un que Ariel Poutko est installé, donc c'est moi-même. Donc yo pense que automatiquement yo fin tuer président Jovenel Moïse, peuple a pral sot dans la rue, mais grâce à leadership moi. Moi mande population pour regarder calme yo, moi dit tout le monde que tout bagay sous contrôle son langage classique en gestion de crise liée. L'aime dit tout bagaille sous contrôle, c'est pas parce que m'assurer que tout bagaille est sous contrôle vrai. Mais c'est ça pour me dire population pour voir que moi gain contrôle situation.
Et de fait, nous avons un contrôle de situation. Vrai, l'homme fait un pile pression sous monsieur la police. Moi, dit monsieur, il faut que nous jouions avec vous. Il dit même que vous campez en haut dans le PLR, etc. Moi, dit faut que nous jouions. Et Dieu seul sait dans quel niveau nous mettons un pile pression sous des nègres avec femmes qui permettent que nous arrêtions les Colombiens. Donc, qui permettent que Jodia nous parler de justice. Parce que le plan, probablement, c'est de tuer les Colombiens. Pour nous pas gagner personne encore, parce que si moun nan la police là dans yo gagner qui était dans crime là, donc c'est à effacer tout bagay sa yo. À ce moment, pas d'ab gagner de quoi pour me parler de question justice jodi a pour président Jovenel Moïse. Donc l'idée important et pour moi faire point ça ensemble avec nous sous élément de langage oligarque sur le système là avec resta avec oligarque. Moun qui participait dans tous les Jovenel Moïse yo, eh bien, comme étant donné que moi-même, moi c'est une voix qui est extrêmement importante parce que je suis ministre des Affaires étrangères, voix m'arrive loin. Parce que si voix m'a pas arrivé loin, je vais pas arrêter Samy Randal. Comme yo connaît que moi gain une crédibilité, moi gain un net beaucoup mon réseau de monde que moi ka parler avec yo, eh bien yo dit bon, monsieur a demandé justice là jeudi a, pourquoi c'est lui qui est chef CSPN? Oui, c'est vrai, c'est moi qui étais chef CSPN, mais Jovenel Moïse était président de l'État, il a assassiné. Ça veut dire, Jovenel Moïse est le dernier monde qui était connu que nèg yo paraît là, yo pral assassiné la Kaili malgré le dispositif de intelligence et on était capable de dire qu'il était important. Donc, et encore une autre fois, et moi crois que effectivement peut-être il y a un travail qui doit faire dans le pays et on t'a ramené nous songer. Nous avons vraiment aimé nous songer. Si nous avons oublié ça, oligarque déployer tout ça au gain comme moyen pour combattre le président Jovenel Moïse, elle a campé à Ani. Nous songer bah ça. Ani c'est agence nationale d'intelligence. Tout pays qui agence et d'intelligence, tout pays qui ça nous-mêmes les a campé oligarque fait des campagnes auprès de l'international. Pour montrer que son vieux bagage, le président a créé pour qu'il y ait un contrôle du monde. Ça, c'est le premier bagage. Mais deuxième bagage, Ariel l'a monté. Premier conseil des ministres l'a fait. C'est Aniel dit qu'il pourrait prendre des lois pour le mettre de ce côté. C'est moi-même, à quoi fait l'a campé dans le conseil des ministres, qui fait que Aniel n'a pas de prendre un décret pour le mettre de ce côté. Donc, tout ceci pour me dire que bagage là, c'est un plan largement large lié. Qui est assassiné président et qui visait à effacer héritage président après. Wow. Merci. Gustave, fais un commentaire. Ou bien Sarah, en allez, non? Yes. Oui. Nous disons vraiment merci, Premier ministre. Nous vraiment, oui, élaborer pour le peuple-là. Nous, il y a pile de questions qu'on a posées, ou élaborer clairement sur toutes les questions qu'on a posées jusqu'à maintenant. Nous vraiment apprécié ça et nous espérons que le peuple a comprendre maintenant avec toutes les explications qui sont au bayo hein, et même moi-même tout ça vient chercher tout écouter que plusieurs questions qu'on posait c'est premier ministre qui était là et des journalistes même qui qu'on a posé question hein, n'a bataille n'a dit premier ministre mais par contre c'est lui qui est premier ministre qui a pile fado sous dos nous vraiment apprécié ça c'est pour éclaircissement ça au fait et bien là le moment merci. Et là, maintenant, nous allons parler avec Thiago. Non, et Fontitan, est-ce que Sarah, elle a un commentaire d'avoir fait? Non, parce que j'ai quelques questions, mais je ne peux pas moi pour me poser ministre Claude Joseph question. Eh, ah, ben, ok. Et Bousta, c'est Thiago, c'est ça? Thiago, bien. Et Thiago. PM Claude Joseph. Et bonsoir, et non pas M. Thiago Pepla, représentant Zela Kainou, Chanel Maman Pemba, Chanel Kap Batay, et qui tout est pauvre, qui tout est riche, pour nous tout gen même droit, parce que pays d'Haïti, en 1607, nous avons bataillé, nous avons tout fait ça, mais nous n'avons pas fait aucune distinction, c'est ça que fait. Qui tout riche ou pauvre, nous tout gen même droit dans le pays, et moi salue avec toute famille, et moi félicite pour volonté que vous gagnez pour Haïti. C'est un plaisir pour nous gagner parmi nous aujourd'hui et PM Claude Joseph. Bon, question bien pour Claude Joseph et dossier insécurité.
dossier insécurité a son bail cap ferage dans pays d'Haïti zam a rentré chaque jour dans douane mon a mouri chaque jour kidnapping dans red pa gen moun ki ça son véritable problème tête chargé dans pays comme c'est ancien premier ministre ancien ministre affaires étrangères moi ta remen poser une question ça dossier insécurité ça nous tout connaît son insécurité politique liée. Qui est stratégie? Qui est ça que tu as dû faire pour stopper l'insécurité ça dans le pays? Pour nous-mêmes, qui vivons dans le pays d'Haïti, pour nous être capables de vivre avec la paix. Et la diaspora haïtienne, si tu as remis à le pays, pour bandir eux-mêmes, tu as eu une chance dans le pays. Parce que nous avons dansé des gros âmes dans le pays, les 400 marozos, et nous garantissons que nous ne payons pas même le travail. Côté on nèg on jeune garçon t'es capable de vendre zam qui vend 10,000 dollars américains l'a gardé dans village de Dieu l'a passé dans Matissan pays bloqué total capital yon peuple dans prison à domicile parce que peuple là lui-même n'y pas qu'à sortir la vie en danger la vie famille en danger en Haïti c'est pas rien faire si bon Dieu veut naoué demain c'est si gang vle qui ça t'a dû faire pour dossier insécurité ça est capable stopper dans pays a si on réel plaisir pour nous gagner ensemble avec nous aujourd'hui a monsieur PM Claude Joseph merci monsieur peuple là merci bien pour question c'était bon Checo et on va continuer PM oui et m'a dit Checo merci pour et pour calter question son question pertinente dans moment dans contexte pas oublier que hier par exemple yo di bandi yo assassin yo fait recette Port-au-Prince tellement yo kidnappé en pile monde et premier ministre lui-même qui l'a voyagé j'en nous connais hein donc pendant que bandi yo même y a fait la loi ça veut dire que j'en dis a et au monde avant d'ici si bon Dieu veut faut d'ici si bandi yo veut les soutien dans la rue donc c'est un problème réel mais insécurité a gagné deux dimensions pour Pipiti et gagne dimension criminalité a c'est-à-dire que bon des criminels des vraiment criminels qui fait kidnapping qui touye moun mais gagne dimension politique là dimension politique là c'est exactement ça monsieur a utilisé sous Jovenel Moïse donc depuis yo pas vle président faire un bagarre ou bien vle mener président en côté ou pays a est bloqué moi-même songe l'aim et premier ministre fait monter. C'est une situation qui était extrêmement difficile. Chaque fois que je fais une semaine par un kidnapping, je me dis, bon, je souhaitais que je commence à attaquer la question. Je suis déterminé pour résoudre la question de l'insécurité. Mais et en même temps, je remarque que les bandits qui toujours parlent dans la radio, ce n'est pas mettre tête, qui ont un patron politique. Le patron politique, c'est eux-mêmes qui guident, téléguident. Mais qui ça nous besoin aujourd'hui à pour nous même si criminalité a même si insécurité a une dimension criminalité ou bien dimension politique qui ça nous besoin état qui fort nous besoin état qui fort effectivement évidemment qui gagne un service d'intelligence ça président Jovenel Moïse t'a metté a mais c'est pas un service d'intelligence qui pour attaquer monio qui pour nous être capable d'entraver vie privée etc. un service d'intelligence qui gagne capacité pour li et traquer bandi yo traquer mauvais actes qu'a fait dans pays a nous besoin capacité tout pour nous renforcer l'armée a et malheureusement nous connaît que gagnent et ami pays d'Haïti en pile là-dedans yo qui gagne problème avec l'armée mais détermination de pour nous déterminer est-ce que pour nous gon l'armée ou pas c'est choix et nous sommes pays souverain c'est choix nous comme peuple haïtien pour nous renforcer l'armée a donc ça extrêmement important. Et puis pour les paysans, nous comprendre la dynamique que les bandits ont gagné, facilité l'accès pour les gros armes que la police nationale a. Donc, là, nous faisons des commandes de armes, il faut aider nous. Là, nous faisons des commandes de, nous sommes capables de matériel qui vous permettre que nous traquer les bandits par tous les moyens, des moyens et de sophistiqués, nous sommes capables de d'intelligence sophistiquée technologique pour nous permettre que nous ayons accès avec ça. Donc, ça veut dire que nous avons vraiment besoin d'un État qui fort, un État qui fort, mais un État qui a les moyens de sa politique
Donc, il arrive que je dis, la police nationale n'a pas les moyens de sa politique. L'armée a, on est capable de dire que le président Jovenel Moïse a gagné une volonté pour le professionnaliser, pour le mettre campé, mais encore, il a gagné une pile difficulté. Donc, moi, je crois que ça, c'est une question. Maintenant, l'armée a fort, oui. Nous avons besoin de tout, il y a un pays côté haïtien, il a commencé à mettre ses intérêts individuels sur le côté. Pour commencer à faire des concessions, pour commencer à faire des pays. Comme ça, nous avons gagné un gouvernement qui est capable de dire, qui sortit à travers les urnes, mais qui gagne une légitimité populaire. Ça veut dire que côté ou ensemble de monde, ce n'est pas si crasse intérêt par eux, yo ouais plus société à pays à avenir le bien-être et individu. Donc nous besoin conscience nationale, nous besoin on l'a mis fort mais on conscience nationale et c'est pour moi qui facile pour jeunes parce que le président Jovenel Moïse c'est un apôtre du dialogue jusqu'à ce que le président Moïse l'a demandé dialogue. C'est notre question dialogue même qui fait que il prend un premier ministre tant qu'Ariel Henry parce que acteur au deal et mais on pourra Ariel Henry parce que la bonne gouvernement de consensus. Donc Jovenel Moïse c'était un héros mais il c'était un apôtre du dialogue tout. Et on voulait monde comprendre ça. Il peut-être pas un héros pour oligarque, il pas un héros pour les gardiens du système, il pas un héros pour rester avec oligarque, mais Jovenel Moïse sont un héros pour monde qui vivent loin yo. Jovenel Moïse sont un héros pour jeunes garçons et jeunes femmes. Jovenel Moïse, c'est un apôtre du dialogue, parce que c'est ça qu'il est toujours vrai. Merci, PM. Alors, PM Claude, et ancien PM, ancien ministre des Affaires étrangères, et moi-même, au sens coffre fort de beaucoup de vérité dans ce qui pourrait la situation Haïti est là. Vérité sous plan diplomatique, relation Haïti avec le pays que nous connaissons qui relation li déjà et moi-même je n'appelle pas ça des relations diplomatiques et m'a couto attentivement là et par contre ce qu'on entendait plateforme live temps de vérité ce qu'on entendait de non Saral Florent moi c'est un monde spécialement qui très critique envers tout le monde qui était dans l'entourage président Jovenel. Très critique. Parfois, moi, même sentiment vie accuser président Jovenel. Même sentiment vie culpabiliser lui-même personnellement. Très critique envers, pas dans le sens pour me détruire, mais plutôt dans le sens pour me chercher ça aurait le sens de responsabilité la caille des autorités qui ont dirigé le pays. Ou ka rappelou tout à l'heure, m'te dit que insécurité, m'pa ka blâmer ou pour insécurité, m'pa ka rendre responsable de rien de insécurité. Absolument pas. Il faudrait que m'ta méchant pile. C'est comme quoi, m'toujours dit m'gade gen certaines autorités en Haïti qui ont des positions autonomes, m'gade autant qu'un gros éléphant qui mesure 60 000 tonnes et pour lager le non lagon. Éléphant pèse loup, et quand pile poids, mais mette le non lagon, la prête là, la mouri là, la déchausse là. Parce que depuis le tombé dans la gonde, elle ne va pas déplacer. M'attendo avec des mots sincères, cap débiter des mots sincères, des phrases probablement convaincantes. Cependant, moi, en tant que un patriote engagé, même j'ai tout l'autre patriote moi qui là, je ne suis pas prêt pour me bailler l'hostie à personne. Quand il s'agit de assassinat président Jovenel Moïse. Je vais rentrer dans la question parmi eux, mais avant de rentrer, m'a permettre à ce que si gain non seulement m'a permettre à Cadence TV pour commentaire à question, mais nous pral permettre qu'on tourner qui fait et si gain des monde qui gain d'autres commentaires par rapport à ce que dit là, on a fait commentaire très bref, mais nous pral permettre à ce que Hébert Torchon de Cadence TV Radio fait intervention par lui à savoir commentaire à question et après ça Bousta pral poser question si gen moun ki
ta gagné d'autres commentaires. Mais moi-même, question parmi eux, il y a venu un dernier, dans la dernière ligne émission. Hébert, bonsoir. Cadence TV nous salue. Bienvenue. Et comment nous y est? Et je salue tout le monde à la One Badin. Est-ce que mes pays entendent très clair? Entendent très clairement. Très, ok. Et je salue tout le monde qui est sur le panel là. Et malgré que nous-mêmes, c'est comme observateur d'après aujourd'hui là, parce que et nous avons vraiment gen bagay pour nous fait, mais comme étant donné à la dernière minute, nous venons entrer, nous disons si une belle plateforme comme ça là, côté nous tous réunis là et pour nous et poser des questions et chercher toutes les réponses. Là, mais ancien ministre, ancien premier ministre, ancien ministre affaires étrangères et docteur Claude Joseph, nous-mêmes, nous, elle est nécessaire pour nous courir entrer là, tout pour nous. Juste font une petite considération, tout coûte, et puis posons une grande question. Et avant de rentrer, nous avons remercié toute l'équipe là, et aussi nous avons remercié Denis Jean-Jacques, parce que lui-même, il est toujours kembe, et nous avons dit mobilisation devant les Nations Unies. Très important, et parce que nous connaissons, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, il était entreprendre ça avec l'autre monde encore, il y a Fritz Marilly. Et vraiment, nous te remets ça et ça a toujours continué. Gros bagay. Bon travail pour nous et reconnaître ça tout. Et l'autre question, considération toujours. Et nous avons remercié Dr. Claude Joseph, nous avons pour qui ça? Parce que l'ancien PM nan reconnaître que nous sommes force incontournable. Nous avons parlé de médias en ligne, yo, médias qui vraiment conséquents, médias qui font travail objectif et constructif pour permettre que Haïti retourne la perle des Antilles, nous toutes. Et bien content, malgré, nous pas qu'à dire mieux vaut tard que jamais, mais quand même, les reconnaître ça, ça fait nous plaisir. Vous comprenez? Et nous espérer dans le futur tout, et y a continuer à reconnaître ça. Et parce que vraiment, nous avons un impact sur la société, que en Haïti, que dans la diaspora. Ok? Nous avons un gros impact, parce que nous faisons confiance en pile, toute plateforme, yo, et que c'est Mona Fait Bon TV, Foucault. Et Life Tabou Vérité, Bousta, Infoberto, Tcheko Pepla, et Denise, tout fait monter avec plateforme ni. Et tout le monde fait nous confiance en pile. Société a fait nous confiance. Si nous disons à gauche, à droite, parce que nous connaissons notre travail, ni pour dégoûter, ni pour grand jury, c'est pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti. Parce que les Haïti vin bon, la bon pour nous toutes. Ok. Question nous gen pour Dr. Claude Joseph, parce que lui-même, il était dans la sphère politique là. Parce que nous-mêmes, nous avons parlé, nous comprenons, mais nous-mêmes, nous parlons vraiment en dedans. Parce que l'on pas en dedans, et sphère politique, là, il y a des bagages que nous n'avons pas à comprendre. Question pour le docteur, là. Comment se fait-il que nous pas expliquer société, là? Parce que c'est où l'État, pour nous expliquer société, là. L'homme a l'élection, l'homme fait campagne, l'homme choisit, c'est avec moun ki wè bagay yo même janvel. C'est moun ki parle dans même direction avèl, c'est avec yo pour le diriger. Pour qui ça nous pas ka pour temps ou bien prend sans nous pour nous expliquer société à ça. Parce que nous remarqué que chaque administration monte, quelle que soit administration, hein, toujours gon bagay moun y a mande et gouvernement consensus, y a mande pour moun chita ensemble. Pendant ce temps, population haïtienne nan li même li fait choix déjà. Parce que le gen élection, gen ou multitude de candidats ka ale l'élection. Yo vend une société en projet, yo offri yo ça que yo pral faire pour yo, mais population choisi moun ni vle pour vinn diriger là. La dernière élection qui s'est passée là, nous ouais, te gen pile candidat qui soi-disant dit c'est yo qui capote changement en société a. Yo tout talé, nous ouais population rejeté yo, elle te choisi et adopté ça que président Jovenel Moïse à l'époque qui était candidat te offri yo, so yo vini comme président. Mais moi manke automatiquement que c'est pas premier et nous ka di administration que ça arrive. Kou moun nan monte, tan kou yo pa gen assez de nous ka di espace pour yo même pour yo diriger avec moun yo. Et dans les et dans les positions stratégiques et politiques qu'on supposé mettre moun ki gen même vision avo, moun ki pral même côté avo, moun ki wè bagay yo même j'avo. Nous toujours remarqué que c'est des agentins. Nous connaissons utiliser ça dans le domaine football, agentin. Ça veut dire moun ki pa gen rien pour loi youn ou l'autre, on pour garder moun sa dans des positions stratégiques et politiques. Comment n'ab jam ka rive en tant que chef l'État ou bien chef de gouvernement atterri avec vision nous et projet nous pour pays d'Haïti ka aller de l'avant. Ça c'est question pa mnan.
Merci, Hébert, pour question ça. C'est que son question assez intéressante. Effectivement, ou après gagner un monde qui croit dans ça, les dissensus politiques au lieu de consensus. Parce que, j'en suis dit tout à l'heure, si effectivement un candidat et il fait campagne et que lui arrive, on est capable de gagner élection. Par exemple, président Jovenel Moïse gagne élection à environ 56% des suffrages exprimés en 2016. Les prêts serment en 2017 et tout le monde connaît que le mandat a fini en 2022. Mais oligarque, il y a une formule de dernière heure pour dire président, le mandat a fini 7 février 2021. Et nous connaît, ce n'est pas une coïncidence, que oligarque politicien traditionnel vient avec une thèse que le mandat président Jovenel Moïse a fini 7 février 2021, mais c'est 7 février 2021, tout a été planifié pour assassiner. Il a été planifié pour assassiner un groupe de justice là, on est capable de dire des juges dans la cour de cassation, on a préparé un assassinat pour le président Jovenel Moïse. Comme, eh bien, bah, ça a été déjoué, mais tout le monde dit que le président Jovenel Moïse, c'était menti d'affaires. Les arrêté les gens qui ont participé, qui ont participé dans l'assassinat, ils ont dit que c'est une montagne, etc. C'est persécution politique. Nous connaissons ça. C'est même Jean Tout, si on pas tué le président Jovenel Moïse 7 juillet 2021, eh bien, il a dit tout, c'était montage président d'affaires, c'est lui qui fait groupe, mais ce n'est pas entré dans le pays pour lui faire un montage sur assassinat, etc., pour capable faire répression politique. Donc, thèse 7 février 2021, il n'y a pas une thèse qui est simple parce que tout le monde connaît que le président Jovenel Moïse était prédécemment 7 février 2017. Donc, c'est dans 5 ans, le mandat président a fini, c'est 7 février 2022 le bralé. Donc, il vient avec thèse ça. Il t'a participé un non-complot assassiner physiquement, mais également démoraliser le président, démotiver le et assassiner le caractère pour être capable de joindre les gens qui ont besoin 7 juillet 2021 pour être fait assassinat ça sous lui, les gens tout connaissent. Maintenant, et effectivement, le problème du dissensus politique n'est pas accepté, alors que son principe dans la démocratie alliée. N'est pas accepté dans la politique en Haïti. Mais il y a une raison, Hébert, qui a fait nous comprendre ça, c'est parce que la majorité des politiciens en Haïti, pour ne pas dire 95% là-dedans, c'est de politique seulement qu'ils vivent. C'est-à-dire, les gens qui vivent de politique, ils n'ont pas d'autre métier, ils n'ont pas d'autre profession capable de faire, c'est exclusivement politique qu'ils capable de faire. Et bien, les gens qui pas d'accord pour faire 5 ans de yo. Les gens qui ont réussi, ouais, que l'un la pas d'accord pour faire 5 ans dehors, pratique la kounia, c'est instabilité politique. Donc, il faut toujours qu'il y ait instabilité politique, il faut que Jovenel Moïse toujours bralé, il faut que le gouvernement toujours instable, seule façon pour carrer l'île. Pour dire, ah, mon cher, nèg ça qui là, il faut nous relever, monsieur, si nous besoin de garder instabilité, parce que, et nèg ça, c'est lui qui a mis instabilité comme ça. Donc, moyen nèg la gagne, s'il y a un cop dans mail, c'est gang li ka paye pour gang kidnapper moun. Donc c'est ça la fait. Gang yo a continuer kidnapper moun. Yo di président va adresser problème de sécurité à fok l'aller. Donc instabilité. Donc on y a fok ou rele nèg sa yo. Et mais c'est comme ça. Président Jovenel Moïse constamment abre les moun. Constamment abre les moun. Comprendre comment côté la moun absoti oui. Président constamment abre les moun. Jondia c'est des Argentins. Président constamment abre les moun. So, et Jondia. Ce n'est pas des gens qui sont loyaux avec lui. Li après les gens jusqu'à ce que l'après les criminels, l'après les assassins, l'après les jusqu'à ce que l'après les tout. Ouais, donc, quand il y a le président qui vont dernier côté, l'Elvire de Edo, ce n'est pas Zami qui avait. Chef sécurité, ce n'est pas vous-même qui venez avec. Les gens qui ont bon sécurité, c'est les gens qui bat ou yo. Donc, je suis capable de dans toute difficulté, moi-même qui suis ministre des Affaires étrangères. Mon qui était chef de sécurité, c'est un jeune garçon que nous dans le mouvement étudiant ensemble avec lui, il était fait choix pour aller dans la police. Donc c'est lui qui était chef de sécurité, parce que c'est moi qui baille tête moi lui. Vous comprenez? L'envin premier ministre, c'est lui-même qui toujours été. À un moment de la durée, c'est Tifouem qui vient chef de sécurité. Donc parce que c'est pas mon qui boit bas au chef de sécurité, etc. Donc ça, c'est entre autres, hein, c'est entre autres de bagailles qui m'étaient capable de dire. Et faire nous arriver dans 7 juillet 2021,
qui aboutit à assassinat crapuleux et président Jovenel Moïse, parce que effectivement les nommés un premier ministre et nous t'a capable de dire le 5 il a assassiné le 7 et nous apprendre d'après révélation qui sorti dans New York Times plan c'était pour et bah un coup d'état, c'est-à-dire un coup d'état, mais dans l'année du 6 qui passait de coup d'état à assassinat. Qu'on y a fort nous poser tête nos questions. Comment fait un président nommé un premier ministre le 5, il a assassiné le 2 jours après, 48 heures après. Mais comment fait un jour avant, il passait de coup d'état à assassinat? Est-ce que nous comprenons? Donc ça, yo, et c'est des bagailles, je pense que qui voyait nous réfléchir et nous commencer à comprendre l'essentiel dans le rapport de CPJA, qui montrait que le premier ministre que le président a choisi, il parlait deux fois dans le matin avec les gens qui étaient responsables de l'opération, du crime. New York Times dit nous que, avec CNN, dit nous que quelques mois après, malgré Joseph Félix Badio gagné un mandat de elle, le premier ministre Ariel recevait la CAILI. Donc, moi pas dit là que c'est le premier ministre Ariel qui a assassiné le président Jovenel Moïse, mais c'est bizarre, coïncidentiel. Coïncidence pour parler avec moun qui a assassiné le président deux fois dans le matin, pour malgré le mandat d'elle pour recevoir la CAILI, et c'est lui-même, c'est primature d'après ça, nous entendez, qui a baillé, souvelé, protection avec criminel, particulièrement Joseph Félix Badio. Donc, ça a laissé nous croire, nous tourner dans la thèse Bétoua, et dans la thèse et Bertochon, que Argentin ça a eu, yo abouti évidemment à assassinat président Jovenel Moïse très probablement dans nuit 6 pour 7 juillet 2021. Là, moi j'ai une question pour docteur, c'est Jimmy et mon affaire Bon TV. Et pendant que nous dans question insécurité, docteur Claude Joseph, est-ce que sincèrement, on connaît des bagages ou cas peut-être pas dit en public. Est-ce que président Jovenel qui qu'on a recevoir en pile menace, en pile pression? Ça, c'est la première question. Puis, deuxième question, et avec expertise ou docteur, pour qui raison nous, FBI, en train d'un pays, nous, international, supposément, nous avons dit avec enquête là, nous avons continué à supporter Ariel Henry aujourd'hui là, avec expertise ou docteur. Est-ce que le président Jovenel, c'est qu'on a pris ses voix, pression et menace, et surtout, pour qui raison aujourd'hui là, nous, enquête là, bloqué, il est beaucoup capable d'avancer, pour qui raison international là, qui est Ariel Henry dans notre pays là? Et moi-même, ça me capable de dire, président Jovenel Moïse, pas de besoin de dire que la recevoir menace à question pour m'affirmer que la recevoir menace à question, parce que c'est un monde qui a bataille contre des gros intérêts en un pays. À plusieurs reprises, il parlait, par exemple, moi prends et plaisir ou bien pas connaître pour des raisons, et le soir pour m'attendre tout discours président Jovenel Moïse. M'attendre qui a expliqué. Comment, depuis un président voulait un bagarre dans le pays, il a assassiné. Il a commencé avec Jean-Jacques Dessalines, il a passé par Salnav, bon, il prend et sauve le président qui a été assassiné en 1915. Il a monté et a dû m'assassiner qu'il n'a pas été assassiné, mais il était capable de dire comment et monsieur était fini, etc. Donc, le président était conscient que l'oligarque, depuis qu'on monde qui a fait des bagages qui viennent dans le pays, eh bien, résultat, c'est à ça. Il était arrivé sur Aristide, et tout, par exemple, il montrait que Aristide prend pour détail, etc. Parce que, évidemment, il est devenu des plans pour échanger le pays. Donc, et tout ceci pour me dire que le président était conscient de menaces et il était conscient de incidences ou bien impact et qui a gagné sur ville même. Bataille que le tap mené. Et moi-même, je suis capable de dire, à la dernière minute, je ne sais pas quoi c'est à guetter le cœur que le président a choisi un premier ministre. Je ne pas senti c'est à guetter le cœur, tu as eu pile pression. Et peut-être, dans une certaine mesure, les gens qui t'a fait pression, ils ne doivent pas connaître que les choses ne sont pas arrivées, mais ils doivent te connaître. Parce que, je ne connais pas les gens dans le parti politique jusqu'à maintenant, gagné mandat de yo, mais yo te fait un bon pas tant yo t'a parlé avec le président Jovenel Moïse,
pour démontrer Jovenel Moïse que ou doué gagner prend Ariel comme premier ministre. Donc ça veut dire que ça veut dire que président même s'il était président au moment arrivé il obligé céder à pression parce que il gagne petite gagne madame et il voulait rester dans pays après. Donc ça veut dire que moi même s'il pas dit ni textuellement mais et moi capable et suis capable de déduire que pour le président lui il t'a fait face avec des situations qui difficiles. Deuxième volet question et PM et c'est concernant et enquête là FBI vini international là montrer que il a dans la travail sur lui mais pas rien vraiment sorti. Bon et moi-même moi voulais comme homme d'état souvle rete ap suivre moi je nous connais me faire un pile démarche pas oublier que l'emte premier ministre tout ça qu'a fait là c'est moi-même qui initié yo pour FBI entrer dans cause c'est moi-même qui t'ai écrit yo et faut nous pas oublier parce que m'étais toujours quoi justice haïtienne là la difficile pour bail président et m'étais capable dire justice étant donné que go oligarque yo mettait justice à se coupe réglé yo mettait le se coupe réglé donc ouais que un moi mande FBI il est là d'ailleurs tout mon Noël pour yo venir aider mais deux mecri Nations Unies pendant ministre affaires étrangères laisse ça pas pour ministre encore non puisque me dépassé pour voir avec Ariel moi mande Nations Unies pour yo camper un tribunal spécial même j'ai été fait Liban après et premier ministre Liban et premier ministre Liban a été mort et été assassiné en 2005 14 février 2005 moi mande pour yo camper un tribunal spécial mais yo pas camper tribunal spécial là. Pour qui ça va pas camper parce que Ariel Henry mandé madame Lalime fonti sur soir sur demande ça Claude Joseph Fea. OK? Donc tout ça qui fait dans enquête là côté lié jodi a et faut nous féliciter les enquêteurs de la DCPJ qui effectivement leur t'a travail sous leadership moi pas jamais un jour fait pression sur yo moi pas jamais mandé côté enquête là parce que pas veut interférer dans enquête là contrairement avec Ariel Henry qui relait Claude Bedford qui relait ancien ministre justice al dit yo depuis n'a émettre mandat faut qu'on connait avant faut nous comprendre parce que bagaille yo clair si gen moun qui gen des intérêts individuels qui gen des intérêts mesquins qui besoin boucher genou pas nous même de toute façon nous ouais boucher genou pour pas ouais implication présumée premier ministre actuel là dans bail là donc yo gen droit pas mais vérité on pas cacher. Écoutez, Ariel Henry non seulement révoqué Bedford Claude, Ariel Henry révoqué ministre de justice parce que il a demandé pour la répondre question de la justice, mais également Bedford Claude, ministre de justice là, Ariel Henry relé pour dire nous pas li pas d'accord pour émettre des mandats comme ça sans pas connaître comme lui-même c'est premier ministre. Il fait pression sous moun sa yo parce que moun sa yo t'a émettre des mandats pas pour sous qui est émettre des mandats. C'est des monde qui n'ont parti politique même parti politique avec Ariel Henry ou bien des monde qui sorti dans PHTK par exemple donc l'aime dit PHTK tout le monde connaît par exemple président PHTK a un mandat et sous dol d'elle donc l'op parler parole ça connait j'aime te dit tout à l'heure qui ça et tuul oligarque dit reste avec oligarque et ben monsieur a parlé comme ça parce que m'a prêté du doigt et on était capable de dire moun qui dans l'état actuellement là qui gagne des responsabilités dans crime là faut que répond et avec la justice et mais je dis mon cher t'es premier ministre et ou pas capable parler là sur des chefs CSPN réponse moi encore président Jovenel Moïse t'es président nous yo touyel président t'es président oui yo touyel voir moi même qui t'es chef CSPN ou t'as supposé que moi pral konnen pral touyer président bon président s'il te konnen nous pral touyer il va dominer kay la joie. Donc moi-même qui a demandé justice tentative pour décrédibiliser parole moi vous comprenez ou pas qu'a dit que me chef CSPN c'est parce que assassinat c'est un assassinat qui était bien planifié c'est un assassinat qui était bien planifié oligarque yo politicien traditionnel yo moun qui pas tap assassiner caractère président pendant 4 ans et ben yo abouti à assassinat physiquement 6 à 7 juillet 2021. Donc c'est exactement ça au fait. Donc pour l'international, j'aime dire là et en vérité, moi crois que moi voulais rester à suivre et parce que démarche moi par exemple et heureusement il y a un pile ministre affaires étrangères, on capable avec on continue à parler avec eux
particulièrement sur enquête là parce que je connais que son bagage qui est extrêmement important pour moi. Donc, je continue à faire. Et en passant, une minute, en passant, nous connaissons que ce n'est pas pour la première fois. Nous avons gagné avec nous un docteur Claude Joseph. C'est une demande qui était faite, mais il y a un homme de Minitou qui était à joindre. Et m'a demandé nous pour question yo là et nous avons dépassé le nombre de minutes que nous demandé docteur Claude Joseph là et pas pour première fois mais nous allons réduire un peu la question yo parce qu'il était occupé et puis moi même nous t'ai fait des demandes là mais nous pas trop dévancer l'aile non. Merci. Merci merci Bousta pour remarque là, sont très bon remarque et na, sans, OK, Sarah. Non, Sarah sous mute. Non, pas tant de Sarah. Sarah, et micro Sarah, pas ouvert. Bousta, micro Sarah, pas ouvert, li mute. Non, li remute encore. On connaît comment qu'il nous fait là, OK. Moi, salue, ministre Joseph, moi, salue, courage à toute détermination. Non, joindre justice pour le président Jovenel Moïse. Moi, je connais qu'au début, c'était vous-même qui t'a bataille pour Koto, pour demander justice pour le président Jovenel Moïse. Et nous venons que Walio avec Rockefeller Vincent et Bedford Claude pour que nous demandions justice pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que nous-mêmes, nous avons intention de former une équipe qui prend le travail de concert pour nous continuer à demander justice pour le président Jovenel Moïse? Et deuxième question, nous connais que gagnons dossier qui sorti, un document qui sorti sur Intergalactic Federation of Interterritorial. Et nous voyons que la dernière, et en tant que défendeur, yon nomme non, et en tant que tortionnaire et exécuteur présumé du crime. Nous avons connaît qui sont pensés de documents ça. Bon, et moi pas gagné au courant des documents ça. Et même capable de dire que ce n'est pas un bagage que je suis habitué à faire, nous tous connaissons. Pendant que le premier ministre, on va avec les noticias Caracol, qui était un bon matin sorti pour dire que eh bien, c'est monsieur qui est auteur intellectuel crime là. Donc c'était le premier bagage et oligarque qui fort, qui a bouillé, puis ça, il est sorti sous moi. Et c'est peut-être, Foucault s'est dit ça tout à l'heure. Moi te dit dans on interview eh bien c'est soit nous touyem ou bien Jovenel Moïse jeune justice gagne pile monde qui croit que c'est une raison qui fait que gagne une mobilisation contre moi pendant me premier ministre pour me tomber parce que yo te wè que moi même moi déterminé et c'est papa Oli a dit sous moi yo qui capable faire et moi penser j'aime te dire moi penser que gagne droit gagne des raisons qui fait et noticias Caracol trompil parce que effectivement et les m'appli New York Times déjà dit que et yo même les contacté Badio dit que Ariel Henry ses amis et que li gen contact li ka fait des coups de fil pour yo donc et les et colombien yo dit yo même yo lagué yo parce que te fin planifier un crime avec yo ou bien coup d'état et bien la gueyo et ben moi-même moins par extension moins collé et nous t'es capable d'y point yo pour moi évidemment domine et colombien yo la gueyo c'est éventuellement planification ça au plus haut niveau genre et Palacios et Félix Badio et Zamio qui dit que yo gagnent et nous t'es capable d'y moyen pour yo étirer ou non qui ça ouais donc c'est à dire que bah ça yo et moi-même puisque Jean Blandi I keep my eyes on the prize c'est dire que moi quitté ouais pas gagne monde qui ca n'ta capable dit intimider ou bien étirer focus moi sur ça m'en faire parce que moi crois que le temps c'est le meilleur avocat des innocents c'est à dire que même sur mon a dit de bagaille en audit si Ariel da innocent le temps dit ça hein si Ariel da innocent dans la mort président Jovenel Moïse le temps dit ça mais et avec évidence que nous gain là yo c'est la justice qui vous dit le coupable. Voilà, d'accord, ça. Mais évidence que nous avons là, nous pensons que c'est la difficile pour pas gagner. Parce que il y a deux enquêteurs, DCPJ, qui dit journaliste CNN,
Si Américains ont fouillé fond en pile, Ariel Henry a émergé comme un prime suspect. Ça veut dire comme un suspect important et dans le crime. Donc, et je pense que ça, c'était aspect ça. Ou te gen yon premier partie dans la question, hein, qui salte encore? Oui, parce que nous, te wè que c'était ou même qui ta bataille pour Koto. Et Kounia, nous wè que ou allié avec Rockefeller Vincent et Bertrand Clot. Oui, alors, faut moi pas prendre crédit pour me dire que nous ta bataille pour Koto. Moi, comme ancien premier ministre et ministre affaires étrangères, moi, genye voix aller loin et puis loin passer ou ensemble de l'autre monde qui était beaucoup de président Jovenel Moïse. Mais, au monde tant que libériste par exemple à bataille ces premiers monde les gagnent de constat qui fait que Ariel Henry ou bien des révélations que Ariel Henry probablement impliqué dans crime là démissionner comme et on est capable dit non conseil là secrétaire général conseil des ministres et c'est secrétaire général conseil des ministres ces premiers monde qui démissionner c'est-à-dire que bataille là et libériste pour le camper ça nous relait rassemblement des journalistes pour et la démocratie RJD donc bon bataille qu'a fait à ce niveau il y a un groupe de journalistes qui a bataille ou il y a un ministre Nader ou il y a un ministre Ghislaine Monpremier ou il y a un ministre Pradel Henriques ou il y a un ministre vraiment en pile ministre Jovenel Moïse qui campaient les anciens ministres de Jovenel Moïse, qui sont les amis Jomo. Yo même tout y a bataille en côté. Ou après, dernier documentaire qui saute là, c'est Voix Nader qui souli, côté effectivement Nader a fait un travail. Ou gagné Jovelin Moïse, qui a fait un travail, m'ta capable de dire, très didactique, mais pédagogique, si vous voulez, sous question de justice pour Jovenel Moïse là, li écrit premier ministre, li écrit Bernard Saint-Ville, doyen, li écrit tout le monde. Donc, gon bataille qu'a fait dans niveau ça. Ou te gagné ministre, ancien ministre justice là, avec ancien commissaire gouvernement. Entre autres, forme, dis-nous que ancien commissaire gouvernement, son nèg qui a pile courage, mais nèg yo fait quitter pays avec en pile pression, mais son nèg qui a en pile courage. Donc, moi-même, les m'a passé aux États-Unis, nous chita nous parler moins ouais capacité et volonté pour continuer bataille là donc nous mettez tête nous ensemble pour qui ça parce que et Bedford Claude et ministre justice là c'est deux monde m'a dit nous travail que ministre justice a fait dans le conseil des ministres les Ariel dit la prévoquer il dit Ariel ou a prévoquer parce que mandé ou à répondre question la justice moi quoi jusqu'à maintenant là faut répondre question la justice et Ariel Henry pral est vraiment nous sommes capables de dire fait de action gratuite et fait machine monsieur pas rentrer en imprimatur là c'est moi qui le balou libre pour nous sortir de avec les quoi que le Dakar humilié ministre justice même pas quoi que vous présumez assassin car et humilié au ministre justice qui sortit avec toute dignité et toute grandeur en dedans on qui révoqué bien sûr mais qui sortit avec toute dignité et toute grandeur dans le gouvernement. Donc moi crois que deux moun sa yo symbolisé et la bataille et pour la justice et moi crois que yo pa ka rete dehors faut venir participer parce que un yo gen courage mais deux yo gen volonté et yo sorti dans gouvernement avec toute dignité yo parce que c'est l'exemple flagrant de obstruction à la justice que Ariel Henry fait. Les Bedford Claude apprendre à travers Digicel que Ariel parlait deux fois avec assassin, hein? Eh bien, il demandait à Ariel pour la répondre à une question de la justice et résultat, c'est révocation. Donc, c'est dans ce sens-là qui fait que la bataille. Tout ceci pour me dire que, eh bien, il y a différents groupes qui ont bataille dans différents niveaux. Première dame, dans lui-même, dans le niveau PAL, petit et président, dans le niveau PAL, Zami, ancien ministre Jovenel Moïse, les journalistes et Jean Doula et Renal Libéris formés, les amis Jomo que Nader en tête li. Donc, yo chaque bataille et avec espoir. Sans me pas parler de deux véritables garçons qui c'est Stanley Lucas avec PM qui n'a presque même pas quoi avec le ministre des Affaires étrangères et puis il vini premier ministre PM Lamotte. Donc, sans me pas parler de deux moun sa yo, un moun tant que Stanley Lucas qui kembe dossier avec toute
archives de obstruction à la justice que Ariel Henry fait. Donc, ça ne va pas parler de deux Mounsao qui a fait un travail extrêmement important. Wow. Merci, merci PM pour toute réponse à toutes questions. Ou élaborer en pile. Et si vous avez des fois, me secouez tête, moi, c'est parce que ça, on dit pour moi-même, il fait un pile sens. C'est ça qu'il faut capable très souvent me secouer tête. Bon, ça, c'est. Faut en nous permettre que. Il y a d'autres monde qui ont d'autres commentaires, nous pas trop arrêter, mais si il y a un commentaire qui est important, pas trop arrêter parce que même beaucoup arrivent dans la question parmi eux. Et Berto, c'est vous-même qui gagne un commentaire? On a les rapides. Vous parlez déjà, vous parlez déjà. On va même passer moins que 10 minutes, on rencontre après. Pas de problème. On aller rapidement Berto, il y a une minute. Et normalement, encore une fois me saluer, non? C'est un plaisir pour moi avec non. PM, actuellement là, moi même comprendre, nous tout ou élaborer ou parler, nous tout comprendre exactement. Mais nous connaît Ariel Henry, tout pays a connaît Ariel Henry, connaît l'entouré président Jovenel Moïse. Nous clair sur ça. Nous avons le ministre de la Justice, New York Times, dit nous consacrer l'inan drogue. Nous avons le ministre de l'Intérieur PIA, DCPJ connaît monsieur dans le kidnapping. PM, actuellement, la PIA, en situation, franchement, par contre, non, tout le monde dans le PIA, par contre, ça va le faire. Parce que la situation est extrêmement grave. Moi-même, personnellement, moi, seule solution pour le pays d'Haïti, c'est disparaître la coalition d'assassins qui est en bas. Parce qu'il n'y a pas de chance du tout. Et force système n'a été gens liés là. Moi-même, bon côté PAM, je vais demander qui sont pensés pour ta fête dans situation ça. Parce que y a besoin de pays dans l'état lié là. Si le pas gens liés là, dossier assassinat Jovenel Moïse là, a privé sur le plus rapide toujours. Et seul moyen pour stopper course dossier ça, c'est qu'un pays dans situation ça. Nous-mêmes, qui ça que nous avons fait? Parce que moi-même, pas besoin de suspendre parler. Et me sentir des fois, vraiment, je ne pas qu'à supporter Ariel Henry dans tête pays toujours. Ariel Henry a voyagé. Pour aller bailler la main avec le président de l'autre pays, comme représentant, moi-même comme haïtien citoyen maintenant. Je trouve ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas normal. PM, qui sont pour ta fête, même? Qui sont pensés pour ta fête dans cette situation ça? Bon, et merci Beto. Moi, je crois que ça que de fête jeudi, c'est le conseil des ministres qui pour réunir. De toute façon, Ariel Henry gagne effectivement des soupçons graves sous dole. Et dans tout pays du monde, faut ta mettre tête à la disposition de la justice et probablement conseil ministre a regardé qui ministre là-dedans ça pas bon yo voyo aller yo fait un gouvernement et puis yo fait élection et peuple haïtien lui-même dans quatre coins pays là n'est-ce pas c'est monde qui sorti loin yo monde président Jovenel Moïse t'a bâti route pour yo hein? Et monde et président Jovenel Moïse mettait centrale électrique Saint-Raphaël au Caille et Sainte-Philomène et centrale qui c'est 60 MW et avant président te mouri te gagnen et yon et compagnie qui te General Electric qui te entré dans au cap qui font belle étude qui te va mettre une centrale électrique campé de 40 MW 30 et à partir de et on capable de dire propane gaz et puis 10 tap à partir de énergie solaire tout le monde ça yo que président Jovenel Moïse moun wout chien et mon chien tout côté président Jovenel Moïse t'a fait de bagaille dans tout quatre coins pays a et même pour yo et on était capable dit établir continuité dans programme parce que Jovenel Moïse mouri c'est pour rêve li mouri pour vision li mouri pour plan que il te gagne pour Haïti donc au besoin de monde qui a continué plan ça au niveau député au niveau sénateur au niveau président pour moun yo à voter pour yo capable et ben m'était capable dit reproduire modèle que président tap et implémenter en dans pays bon m'connais que oligarque yo c'est pas de bagaille que pas quitter passé facile bataille qui pas le fait là dans élection qui vient pour venir là yo parce que après un oligarque pas le quitter élection en fait oligarque yo pas le dit que carte électorale là c'est carte des malogliés li pas de bon c'est premier bagaille oligarque pas le dit Oligarchie ou pral dit que nous pouvons faire élection parce que le pays n'a pas de sécurité. C'est vrai, le pays n'a pas de sécurité. Faut que nous avons de sécurité. C'est le gouvernement qui a de sécurité. Mais même le gouvernement n'a pas dit que c'est la sécurité pour nous faire élection. Donc, plan Ariel, c'est un mandat pour jusqu'à 2000,
2024-2025, pas jamais faire élection. À ce moment, pour repositionner oligarque, toute sa Jovenel Moïse, tu es tiré dans la main, par exemple, électricité, comme nous avons payé pour Blackout, qui c'était 12 millions de dollars par mois, c'est fait oligarque régional encore. D'ailleurs, ouais, tout bagarre mettait campé dans la justice pour qu'il fasse oligarque dans le secteur énergétique là, reprendre encore. L'autre bagarre oligarque besoin faire, c'est montrer le président va faire rien. Ça veut dire centrale électrique, monsieur, t'a fait dans cette philomène là. Centrale électrique dans Saint-Raphaël là. Et centrale électrique Kafoua et Jodia, qui 60 MW. Donc, c'est montrer bagarre ça va pas exister. Route que le président a fait dans tout pays, c'est montrer bagarre ça va pas exister. Donc, l'offre efface héritage président, montrer président c'est un assassin, faire élection, permettre aux représentants oligarques qui prennent pouvoir, et puis pour oligarques qui à l'aise pendant 5 ans encore. Donc, élection que parle là, son élection peuple là, véritablement, face à l'oligarque. Peuple là, pour choisir, est-ce que n'a pas été capturé de l'État par les oligarques, ni dans le secteur financier, ni dans le secteur énergétique, comme c'était ça seulement, ou bien nous a séparé avec bagay ça pour nous marcher vers moun en dehors. Donc moi crois que c'est ça et en d'autres termes bientôt c'est élection pour fête, élection et le plus vite que possible et faut que gouvernement qui pourra monter à assurer que gain sécurité pour élection capable fête et pour continuité qu'a établi dans ensemble de programmes que président Jovenel Moïse a fait. Merci un pile PM et nous connaissons pas tant pile temps et si nous t'apprend parler nous te capable en semaine là nous pas déconnecter c'était à manger prendre pause retourner PM et nous disons d'abord nous disons merci parce qu'on est disponible et très tard comme Hébert Chanty dit tout à l'heure mais pas trop tard nous reconnaître que plateforme réseau social nous même patriotes engagés nos grandes valeurs. Et donc, m'a profité saluer toute ma bonne salutation spéciale pour toutes les amis patriotes qui toujours campent avec nous devant Nations Unies. Et là, on a le devant Nations Unies, nous connaissons le fait. Et c'est parce que nous sommes vraiment attachés à justice président Jovenel Moïse et nous avons un message que nous voulons porter pour nous dire nous ouais et que nous comprenons. Nous saluons toutes les amis qui toujours avec nous devant Nations Unies. PM, où arrivez 14 avril comme premier ministre et président va l'assassiner en juillet. Avril, mai, juin, juillet, 2 mois et demi après, le président va l'assassiner. Ou t'es encore PM. Et on t'a capable de te faire criver PM. Ariel Henry, li nommé 48 ans après, et même jour pour le tal installé, al pas installé, li joué on jouet, li pas installé, peut-être c'est pour faire plus espace. PM qui s'est expliqué que pendant 2 mois et demi, ça, tout le monde qui entoure le président, bagala te libre, bagala te là, ou même en tant que PM, gouvernement, gen ministre intérieur, gen secrétaire d'État sécurité publique, gen tout le monde ou là, comment ça fait que ou pas gon ti soupçon, ou bien pas gon moun on ti oiseau qui vin dou on bagay, que le président, il après l'assassiner PM, comment trouver ça? Et moi-même, personnellement, m'étais accusé de irresponsable. Personnellement, moi, je suis là, m'étais accusé. Il y a un petit proverbe créole qui dit de pour perdre ou péché. Ouais. Ou soit parler là, comme dit, ou parler en homme sincère. Comme dit ça, vos paroles me paraissent très sincères. Mais qui ça qui expliqué pendant 2 mois et demi ça, ou pas j'ai un petit oiseau qui t'est venu en bagaille. Et pendant la nuit, le président a assassiné, pour qu'il n'y ait pas de monde qui t'est relou même. Les présidents et les plusieurs monde, mais ça qui explique que le parilo. Merci PM. C'est la question ça m'a quitté. Après, et Bousta a géré cela. Merci, Tambou Vérité. Moi, j'ai essayé de répondre à la question ça, mais j'ai essayé de faire l'autre effort encore. Et, ou pas qu'il y ait une explication pour ça, ou pas qu'on est. Et moi, pas qu'on est, moi, pas qu'on est, et moi, pas qu'il y ait aucune information. Et si m'dé qu'on on t'y crasse tout petit président d'ab qu'on est. Et tout le monde qui est proche moi, proche président, et il connaît ça. M'pas connaît. C'est tout simplement parce que ça m'a gagné comme explication, c'est que plan est minutieusement bien préparé. C'est ça m'a gagné comme explication. Minutieusement bien préparé. Mais m'pas qu'à culpabiliser tête moins parce que m'pas connaît. Parce que m'pas tel premier ministre pour m'tap chercher qui monde qui va venir tout le président Jovenel Moïse. Très bien. Vous comprenez? Ça, c'est le premier bagage là.
Mais assassin retour en vain assassiné président Jovenel Moïse, yo occupé espace avec l'autre bagaille. Moi font paquet tant comme ministre affaires étrangères m'a défendre 7 février 2022. On petit bagaille comme ça, moi mobiliser activer toute la diplomatie haïtienne, voyer des mémorandums d'explication sous pour qui ça mandat président a fini 7 février 2022 pas 7 février 2021. Moi passé dans CNN, moi passé dans France 24, moi passé dans toutes médias, on connaît Al Jazeera, BBC pour m'expliquer un seul bagaille, menti oligarque qui a fait. Ça veut dire que oligarque prend tout temps nous. Yo prend temps nous au point que yo demandé assassiner président 7 février 2022. L'aime arriver moi-même et 14 avril, c'est un problème de sécurité. Ma bataille avec gang. Ma bataille contre insécurité. Gon côté pas oublier m'te fermé gang yo et en bas au point que yo té essayé. Donc, ça veut dire ou va chercher deux bagages et puis gen l'autre bagage qu'a préparé dans pays là. Même moi le dernier monde qui connaît parce que faut nous pas oublier que c'est vrai gagner de et m'ta capable dire question d'intelligence. Mais véritable structure d'intelligence que le président Jovenel a mis, oligarque te compté campé facile. Il était campé facile parce que te dit président Jovenel Moïse a fait pâle les vrais réglés. Qui donc encore une autre fois, mais c'est pas nous qui dit, mais son élément de langage qu'a utilisé de Yoa qui dit que monsieur a demandé monsieur Saha et Claude Joseph a demandé justice pour président Jovenel Moïse, mais c'est le chef CSPN non. CSPN le dit, Conseil et supérieur de la police nationale. Conseil CSPN. Donc, c'est le chef CSPN, non? Eh bien, réponse-moi avec Mounzaïo encore. Effectivement, le chef CSPN, non? Mais nous avons tellement bien planifié le crime noir que c'est un président que nous détouillons. Donc, si le président pas mouri, nous avons mis le sous-dôle encore. Comme le président mouri, il faut nous bouc émissaire. Pour nous dire, mais c'est mon bon côté qui pas faire responsable et travailler. Mais nous dépenser en pile l'argent pour nous trouver président. Nous fait 4 ans à pas assassiner caractère, nous finis par assassiner physiquement le 6-7 février 2021. Maintenant qu'on y a, c'est la vérité qui a blahi et moun qui a assassiné lui, nous mettons by toute explication, définit tout élément de langage, il a arrêté nous quand même. Parce que les prend en pile temps pour être capable de dire et de l'autre crime qui fait dans le monde pour jouer un assassin. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Si l'intérêt est capable, mais la vérité est un monde qui est capable de couvrir et nous avons dit casser feuille, couvrir ça. Très bien, PM, merci en pile. Et Bousta, si vous permettez-moi. Et Bousta, si vous permettez-moi une seconde. Et n'a quitté Bousta, dit deux mots. Et puis, nous avons ouvert avec Foucault qui était introduit. Et PM nan, n'a permettre à ce que Foucault lui-même lui envoie PM nan pour nous honorablement. Bousta, ou peut parler? Comme moi, je dis toujours dit, PM nan, c'est bonne 10 minutes avant tout se respecter le PM nan banon. Pour tout ça qui dit là, yo, mais moi-même, moi, trouvé que, moi, excusez, parce que m'a dit avec tout le monde qui a suivi là, le arrivé, nous avons pile question pour PM nan, c'est vrai. Mais moi-même, m'a passé sous question par Nayo, c'est pas pour première fois, n'a pas besoin avec PM, non? M'a passé sous question par Nayo, me dit PM, non? Merci, et en nous, l'envoi, Stadion TV. Nous dit PM, non? Merci, moi-même, nous connaissons, n'a pas retourné encore, c'est pas première fois, n'a pas PM, non? Là, parce que PM, non, dit, ben, nous, 10 minutes, n'a respecté ça, s'il vous plaît. Merci, PM, d'être côté accepté pour être capable ensemble avec nous. Je dis à côté qu'il y a un pile monde qui te gagne doute sur vous, et y'a tendé, et y'a yo ouais ça cap dire yo là toute clé devant yo maintenant nous même travail pas nous mettre tête ensemble pour nous capable trouver population hein. Ça y a tendé la radio en dans pays d'Haïti et radio oligarque mettez à l'échelle internationale là mais nous voulons prouver la boule figure c'est menti à bay peuple là et c'est pourquoi que nous même nous décider mettre tête nous ensemble et nous connaît travail ça cap fait là c'est pour un petit travail qui est lié yo poko rien pour que toute vérité au blague il en figure pour que c'est pas la radio en dans pays d'Haïti et radio qui installé en dans international là qui pour bail peuple la mentir mais pour que nous-mêmes nous capable rejoindre peuple là pour nous parler avec peuple là. Merci à Pile PM pour intervention avec nous-mêmes là international là et aussi mon en Haïti cap couteau.
Et n'a fermé net à Foucault pour une minute. Foucault fermé pour nous avec PM nan. Avant PM nan, dis-nous dernier mot li. Net. Grand PM, nous faut souffrir, nous sommes vraiment désolé. Pas de problème, pas de problème. Bon en pile les nous chita pour nous parler dossier pays parce que ça c'est responsabilité chaque grain haïtien. Donc c'était un plaisir pour que nous te planifier rencontre ça pour nous te poser diverses questions qui t'a tourmenté nous depuis plusieurs temps ensemble avec ancien premier ministre Claude Joseph, yon monde qui était vraiment proche président Jovenel Moïse et journée jodi a nous tout rete focus n'a demandé justice pour président parce que si président joine justice met Dorval pas capable joine justice tout monde qui mouri dans mauvais conditions dans pays d'Haïti pas capable joine justice la justice pral fort et non seulement ça tout force démocratie c'est la justice si n'a bataille pour la démocratie faut que nous penser avec la justice d'abord et ça fait tout dans toute émission m'yom qu'on souvent dit première institution qui t'a supposé dans prison li rele la justice. Parce que si président a fait fight, et bien, si président a fait erreur, excusez-moi, donc c'est la justice qui pour correspondre ensemble avec lui. Tout le monde qui parle prendre responsabilité ou qui a fait chimé crochi, et bien, dans tête pays, c'est la justice qui pour correspondre ensemble avec lui. Donc, je ne dis pas, travail là c'est nous citoyens qui pour commencer c'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous-mêmes qui pour lever ti moun yo apprendre faire yo prendre responsabilité pour suspendre accuser un lot et bien moi c'est chef si m pa ka la moi pap la et si que m gen moun k ap barre m qui empêche m prendre responsabilité m jan que m ta supposé prendre c'est soit moun nan éliminer m ou bien moi-même moi éliminer parce que son dossier pays k ap géré. Donc c'était un plaisir, merci à chaque fanatique qui t'a partagé, merci à chaque fanatique qui t'a like, qui t'a commenté. Donc n'a toujours que même l'amour pour nous c'est haïtien, donc nous doit bataille pour bouté noir parce que c'est ça que ancêtre nous yo des batailles qui étaient pour nous et nous devons avancer, nous devons aller jusqu'au bout pour jusqu'à ce que nous retirer Haïti dans sa lila. Merci beaucoup PM, merci ensemble avec tout le monde qui était connecté. Le mot de revoir de Dr. Claude, le mot de revoir. Oui, alors merci en pile et à nous toutes. Merci Foucault, merci Tambou Vérité, merci Jimmy, mon affaire bon TV, Tcheko Pepla. Merci Hébert Tochon, Info Beto, Pousta et Zami Pam. Et c'est Sarah. Merci un pile, Sarah. Écoutez, quittez-moi finir sur notre ça avec nous. On a fait un travail inconditionnel. Ça veut dire sans condition, on a fait un travail qui n'a pas gain prix. C'est nation seulement qui a récompensé nous. Parce que le travail qu'on a fait là, son travail de clarificateur de la conscience collective, c'est comme ça un auteur qui est Alain Touraine, pas capable de briller. C'est un travail de la justice et un travail pour eh bien monde qui sorti loin tant que Jovenel Moïse qui pas nèg Port-au-Prince qui entré qui montrait que moi-même gon côté m'est arrivé si mal l'école gon côté nous chaque là donc arrivé dans pays là donc nous connaît que oligarque pas remen bagaille ça. Donc, pour pied canard, tête canard, monter table là. Donc, moi, quoi que nous-mêmes, travail n'a fait, n'a continué, disait le président Jovenel Moïse. Moi, dis nous merci, nan non, famille président, nan non, allié président, nan non, Jovenel Issue, nan non, les amis Jomo, nan non, peuple haïtien, nan non, monde qui sont loin, yo. Moi, dis nous merci, merci en pile. Merci, Dr. Claude, c'est pas une dernière fois, n'attendons encore. Qu'est-ce que vous faites, et bon combat. Merci en pile, merci, bon combat, également. D'accord. Et ok, bon, et n'a dit tout le monde merci, tout le monde qui a suivi nous à la One Baden, n'a dit tout le monde merci, et bien, n'a dit tout le monde bye bye, mais nous avons entré là, pour nous avons sur Cadence TV, bon, Maléoula, ok, all right, et nous tous quittés là, n'a dit tout le monde merci, et c'est on a dit très bel échange entre et Dr. Claude Joseph lui-même et ancien PM non et nous connaît toute équipe et nous a dit plateforme solide sur réseaux sociaux, plateforme qui là pour dire la vérité en tout temps tout lieu, plateforme qui et nous a dit vle avancement et progrès pays
encore une fois, et la première, c'est tout intervenant, toute plateforme, tout le monde qui était participé, et principalement, et Dr. Claude Joseph lui-même qui était accepté l'invitation, et pour te venir répondre à une question pour la population haïtienne. Et n'a dit tout le monde, et à demain, pas oublier demain, et 3h, Ronkonboul, côté de l'entrée, là, et débat pour nous avancer à 3h, Ronkonboul, côté n'a pas permettre nous participer et faire commenter et aussi n'a pas excuser nous pendant et n'a pas remarqué et pendant semaine là gain 2 jours nous raté émission parce que nous gain quelques bagages très importants que nous t'a réglé et vraiment nous pas gagné suffisamment de temps pour nous entrer dans le studio n'a dit mon excusez nous mais quand même nous connaissons toujours là et comme moi toujours dit nous sur plateforme là nous toujours mettez en pile vidéo. Même là on pas venir un jour on est regarder l'autre vidéo ou bien vidéo pas de grand temps ouais yo et puis pas de problème et puis connait n'a venir quand même nous là parce que nous te gagne pile monde qui t'a texte nous pile monde voye message ben nous a dit mais ben nous pas wo. Oui nous là pas de problème mais et à l'impossible nul l'est tenu pas oublier nous là presque chaque jour avait dit 365 sur 365 les nous ratons 2 jours ou bien 3 jours l'année ça pas faire rien et pas rien lié. Reprenne fois, nous comprenons ça tout, parce que nous toujours disons ça, nous avons une responsabilité personnelle nous tout. À part de responsabilité pays d'Haïti, que nous venons faire là, dans le cadre de TV, nous avons une responsabilité personnelle nous tout. Nous avons un travail nous avons une famille nous pour nous faire love. Nous comprenons, ça veut dire, faut nous faire un jeu pour ne pas venir empiéter pour le travail que nous avons fait là, pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti, pour ne pas venir empiéter sur l'autre. Ça que nous avons pour nous faire l'envie nous, c'est le sale pour l'envie nous. Le problème, le ça, n'a pas obligé de faire émission une fois par semaine. Mais pour le moment, nous n'avons pas voulu faire ça, nous continuer de travailler parce que son combat, et combat pas facile, son combat qui a duré très longtemps, eh bien, nous, même dans le cadre de TV, nous avons continué de faire travail là, comme nous disons, tout obstacle que nous avons surmonté, et puis, nous avons privé à la victoire finale. N'a dit tout un bye bye et à demain dans débat pour nous passer.